Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Dreadlands. Donc c'est un petit jeu d'escouade au tour par tour, à la XCOM un peu, et à la Necromunda, parce qu'il reprend beaucoup de concepts, mais vous allez le voir au fur et à mesure, pour ceux qui ont joué au jeu de plateau Necromunda, hein, bien sûr, sauf que c'est pas dans l'univers de 40K, mais dans un univers post-apocalyptique. Donc on va lancer une partie. Voilà, donc c'est une early access, hein. Il reste pas mal de contenu qui n'est pas encore présent. On va baisser la musique. Parce que c'est bien la musique, mais c'est copyrighté souvent. on va mettre ça en ça, on va baisser. Il y aura peut-être du son. Alors, j'avais déjà fait la présentation, en fait j'avais fait le tutoriel. Et j'ai vu dans les notes de patch qu'il y allait avoir une extension avec des templates pour les personnages, des améliorations sur plein de choses. Donc j'ai attendu jusqu'à ce jour pour faire le jeu. Donc on a le choix entre trois tribus. Alors attendez, peut-être que je peux effacer mon ancienne partie. Si je délète ça, est-ce que je peux avoir... Non, ok, il faut choisir quand même. Donc on a le choix pour le moment entre deux tribus. Un, les Tribeskin, donc c'est des tribus qui prient la nature et qui essayent d'amener un côté spirituel à la survie dans le futur qui a détruit la planète. Ou alors il y a les Scrappers, eux ce sont des gens qui utilisent leurs ressources et leur ingéniosité pour s'en sortir. Donc certains utilisent des totems et puis les forces de la nature, alors que l'autre utilise une combinaison de gadgets et de mines et de poisons. Voilà. Donc bon, c'est au choix. Je vais prendre les Scrappers parce que ça a l'air plus fun que eux, mais les deux sont assez sympas à jouer, hein. Ils ont tous les deux leur groupe de gang différent. Comme vous allez le voir, hein, on va créer notre gang avec les forces et les faiblesses. Alors, les Scrappers ont un tempérament... bon, sont sous polaire. Ils ont un étrange accent, ils adorent le whisky. Et ils font des prouesses en ingénierie. Ils descendent des hautes plaines. Ils sont plutôt nouveaux dans les Dreadlands. Mais ils ont grossi en nombre depuis que la première équipe de Scrappers est arrivée, il y a à peu près une centaine d'années. Ce qui a causé une exode de masse reste un mystère à tous les extérieurs et la plupart des gens. Alors, les mythes et les demi-vérités ont été impossibles à décrypter et chaque Scrapper reste bloqué... sont bornés sur la façon dont leur propre version de comment s'est passé l'exode. Alors, comme les autres gangs des Dreadlands, les Scrappers sont fracturés. Voilà. Donc, ils se battent autant entre eux qu'avec les étrangers. Alors, leur force, c'est des teams versatiles qui sont bons aussi bien à distance qu'en mêlée. Leur faiblesse, ils excellent dans rien. Et ils ont des stats plutôt moyennes. Donc on va choisir le symbole de notre gang. Oh, je vais prendre le raton là. Ouais, on va prendre le raton. Oh, la licorne avec un maxi à gaz, c'est cool aussi. Ouais, prenons le raton. On va renommer ça Drunken Marauder. Ah putain, les maraudeurs alcooliques. C'était pas mal déjà. Alors. Le Ikit. Maraudeurs. Ok, les maraudeurs de Ikit. Alors, vous pouvez choisir le nom de vos persos, hein. Vous pouvez avoir un perso dans le truc. Alors, il n'y a pas un million de places, hein. Donc, je prendrai les premiers qui s'inscrivent et qui sont motivés, hein, à regarder tout le run. Alors, c'est la dernière présentation qu'on fait, hein. Everything's about jeu. Low around these parts. No one's sure about the hows and the whys, but the stuff only blooms here.
and the Dreadlands. Nowhere else. It's quite something, that glow. The stuff won't just fuel your long hauler forever. It'll also do hundreds of other crazy things. Crazy good things. Some say it's even shaped the lay of the land, and I won't hold it against them. The Dreadlands don't look like anything else. A goddamn mess, that's what it is. And it ain't just the land. The endless fighting among the gangs, dying in droves for a chunk of glow, is a bit of a mess too. And unlike some of the land, not a pretty one. Now, there's a particular gang I want to tell you about. From humble beginnings, they struggled, suffered, and fought their way up to leave a lasting mark on the Dreadlands. But first, they had to find themselves a new home. See, the Dreadlands is no place for wandering vagabonds lacking decent shelter. It'll catch you in the open and chew you up in one fell swoop. Sometimes, the land itself seems to take issue with your well-being and won't rest until you choke from poison air, drown in quicksilver, or beast life feasts on your bones. But as always, the most dangerous predator is human. The gangs of the Dreadlands. And it looks like our new friends are just about to stumble into one of them. Ok, alors le son était pas très fort, mais vu que c'est sous-titré en anglais... Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, plus de vagabonds, comme des agneaux à l'abattoir. Ok. Et vous, ne soyez pas timide, venez un peu plus près. Mm-hmm. Ah, je vais m'approcher, oui. Je vais te mettre ma botte dans le visage. Il semble que tu le mérites. Ok, bon, ça a l'air d'être hostile. Donc voilà, c'est un jeu au tour par tour, hein. Là on repère. Alors, ouais, il y a des icônes un peu à l'ancienne, vous voyez, c'est un peu tout trash, hein. Ça fait punk un petit peu. Là on a le terrain. Alors, il y a pas mal de choses à regarder, il y a des trucs explosifs. Il y a des objets qui peuvent jouer un rôle, souvent en fin de bataille. On peut grimper, il y a des couverts lourds, des couverts moyens, hein, ça reste très très classique. Les lignes de vue si jamais on se déplace. Notre ganger, alors, a deux armes, l'arme de corps à corps et l'arme à distance. Donc là il a un speed gun. Quand vous tirez avec une arme, vous faites des dégâts. Enfin vous tirez, vous touchez, vous faites des dégâts, machin. Si vous retirez avec et que vous ratez le tir par exemple, l'arme peut s'enrayer. Et elle ne marche plus pour la bataille. Donc après, il faut se démerder au corps à corps, par exemple. Donc les armes sont assez instables, on va dire. Mais on a aussi des cartes d'événements qui pourront être utilisées pour contrer cet état de fait. Comme dans Necromunda, les cartes d'événements, par exemple Jam, le prochain tir que tu fais va enrayer ton arme. Des choses comme ça. Alors, on va aller se mettre en position couvert lourd. On aura un tir. On va regarder un petit peu le pourcentage. 70%, c'est pas mal. Donc là, il nous dit qu'on va lui faire 3 points de dégâts. Il a 3 points de vie. Donc techniquement, on est bon. Alors, je sais pas pourquoi il nous demande ça. Ah, il y a une petite confirmation en plus que par rapport à avant. Alors, il y a eu des améliorations. Hein, donc, il y a sûrement des choses que je vais planter. Vous voyez ça, la petite confirmation sur le tir, ça y avait pas. Et là on peut jouer notre deuxième ganger. Il y a aussi les Overwatch. Là vous voyez, en couvert moyen, on peut se mettre à couvert et en Overwatch. Par exemple, c'est pas mal. On se déplace. Ouais, ils ont rajouté un petit icône de confirmation, c'est rigolo. Alors, on peut déplacer la zone d'Overwatch simplement en l'orientant comme ça. Donc oui, on va faire ici. Et on va... Ah bah mince. Ah, je vais y arriver. Comme ça. On aurait pu tirer sinon. Ah non. Non, j'ai fait une boulette, j'ai appuyé sur reload. Et là, il demande pas confirmation. ah, mais j'ai pu reload.
Ah, donc j'ai dû dépenser des munitions quand même. Oui, parce que les munitions, c'est aussi de l'équipement, hein. Mais je suis toujours en Overwatch, alors on va dire que c'est ok, on va finir le tour. J'ai 4 points de vie. Mon tir d'Overwatch a échoué. Voilà, et on envoie Julius Barry. Alors voilà, Julius Barry, on pourra changer son nom hein, juste après la bataille, bien sûr. Là, on va s'approcher un peu. Hop. Et on va allumer lui. 80%, oui. Bim. Un autre de moins. Alors évidemment, on fait des XP qui sont répartis de mémoire. Là, je peux aller le flanquer en me mettant sur le côté. Pour avoir plus que 60. On avait déjà 60, hein. Non, bah apparemment, ça n'arrange pas les choses. 60 me va, on lui met 3. Alors, comme dans Necromunda, je fais souvent la comparaison, hein, parce que le jeu, on a vraiment l'impression qu'il est pompé dessus, à part le monde de Warhammer 40 000. Des gangs, vous avez votre gang. Quand vous tirez sur quelqu'un et que vous le touchez, ça le met au sol. Ça lui met un équivalent à terre. Ça lui fait rien d'être à terre. Ça va pas, il peut se relever et tout ça. Mais ça lui enlève un point d'action sur les deux qu'il a. Du coup, ça évite. C'est le seul moyen que vous ayez pour retarder, par exemple, les créatures qui sont spécialisées au corps à corps. Donc, les tireurs, c'est leur seule sauvegarde avant que ce soit que ça tourne au cauchemar du corps à corps. Alors, en haut, on voit que les équipes maraudeurs gagnent des points au fur et à mesure de la bataille. Quand ça dépasse la barre, c'est que le moral ennemi est dans les chaussettes, et à partir de là, il subit des malus sur plein de trucs. Et c'est qu'il n'est pas loin de vouloir abandonner la bataille. Alors, on va faire end of turn. Voilà, son moral a brisé. Il se relève et il tire parce qu'il pouvait pas faire autre chose. Voilà, il est plus pinned. Il est unpinned, mais il pouvait pas faire grand-chose de plus. Alors, d'où je suis, je pourrais lui tirer dessus deux fois de suite. Si jamais, là, vous voyez, moins 35% de toucher avec le full cover. Mais si je ne bouge pas, je peux tirer deux fois. Mais si je tire une deuxième fois, j'aurai moins 10 au deuxième tir. Et possibilité de jam mon arme. Donc évidemment, je préfère faire des petits mouvements comme ça. Et puis me mettre avec des bons pourcentages et tirer qu'une seule fois pour pas prendre de risques. Hein. Bim. Et c'est flingué avec notre arme à répétition. Alors évidemment, quand tout le monde est tombé, ils sont tous achevés. Mais on peut les achever nous-mêmes, à la main. Pour pas qu'ils soient relevés par leurs alliés. Là, pour le coup, ils n'ont pas été relevés, hein, mais c'est possible. On va ramasser les cadeaux qu'il y a sur la map. Deux crédits, on prend. Rien d'autre sur les autres cadavres. Là, il y avait des bonbonnes à exploser. Là, il n'y avait pas de cadeau, hein. Non, sur la première map, il n'y a pas de cadeau. On va aller libérer cette personne. Merci pour l'assistance, mon ami. Ouais, je sais pas. qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça ressemble à être un quartier général. Une cache. Ces salauds de ces Red-Blooded Bastards que vous avez juste dégommés, leur gang, c'est leur quartier général. Et ils devraient pas être très nombreux, cela dit maintenant. Ça semble être une opportunité. Oui, et ça serait un honneur de vous rejoindre si vous y allez. Ok. Donc là, on va lancer la sauce sur leur quartier général. Et éventuellement, l'acquérir pour nous. Parce que le seul moyen de survivre dans les Dreadlands, c'est d'avoir un QG solide contre la nature elle-même. Alors sans un QG solide, les Dreadlands vous détruiront. Donc... Rotting Down, l'endroit ici, est un quartier général décent et crucial pour la survie à long terme de votre gang. Allez, c'est parti. Alors, on a de la visite. Là, on a les cartes. Donc, c'est en même temps un tutoriel un petit peu, hein. Donc là, on peut remplacer certaines cartes. Donc là, on a le clic. La prochaine attaque à distance va enrayer l'arme de notre adversaire. Le Toxic Pool, c'était une piscine de produits toxiques, qui fera un point de dégâts à n'importe qui la traverse. Et elle ne peut pas être déployée à moins de 2 cases d'un ennemi.
C'est-à-dire on peut pas la mettre directement au contact d'un ennemi. Du heal, donc soigner pour 4 points de vie, mais aussi les empoisonner. Donc on donne 4 points de vie à quelqu'un, mais on l'empoisonne, du coup il repère petit à petit les points de vie. Mais voilà, ça permet de sauver quelqu'un, ou de l'empêcher de mourir instantanément. Adrenaline Rush, ça donne une action supplémentaire ce tour à un de nos joueurs. On va virer le soin, le Toxic Pool on peut l'utiliser, oui allez pourquoi pas. Et on va repiocher une autre carte, qui est la Scrap Mine. Donc on déploie 2 mines sur le champ de bataille, et on espère que les gens marchent dessus. Donc évidemment on va lancer tout de suite une carte, hein, si c'est possible, d'installer du matos. Alors, ça c'est un feu de camp à récupérer, là il y a un poulet. Ok, donc ça c'est le camp qu'on va avoir plus tard, hein. Vous voyez, hein, c'est vraiment... le matos c'est désuet, c'est... En fait, on imagine un monstre post-apo, mais qui aurait déjà été, vous voyez, depuis pas mal de temps, qui retournerait à la rouille. C'est-à-dire, c'est pas le monde post-apo, il vient d'y avoir une catastrophe, hein. C'est genre 100 ou 200 ans plus tard, on a toute une nouvelle culture qui s'est créée, hein, autour. Bon, le look est un peu dégueu, mais l'ambiance est pas nulle, disons. Alors... Ok, alors Julius, le scrap mécanique, c'est-à-dire notre héros, a comme capacité commandement. Il peut retirer le pin, c'est-à-dire quand on tombe après un tir, ou la panique d'un allié. Et il a l'overwatch comme les autres. Lui, pas de compétence spéciale. Lui, non plus. Ok, ils ont des haches et lui il a une épée. D'accord. Et ça, c'est quoi? Speed gun. Donc, c'est le pistolet mitrailleur. Ça, c'est un scrap gun. Donc, c'est une espèce de fusil. Et le scrap gun, c'est les fusils. Ok. Portée 18. Et ça, c'est portée combien? Portée 18 aussi. Ouais, nos armes sont pas mal. Elles sont pas nulles. Alors, on va... comment je peux utiliser... Ah non, on peut pas utiliser de carte au premier tour. Ok. Là, on aurait un tir. Bah, on va s'installer en couvert lourd, hein, bien sûr. Et on va les accueillir. On voit, on a 35% pour tirer là-bas, pour 3 de dégâts. On pourrait le down direct. Alors, vu qu'il est en full cover, ça fera moins 1 de dommage. Vous voyez, il prend que 2. Alors que ça indique 3 là. Mais ça marque full cover. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un overwatch. Mais les overwatch, par contre, vous voyez, la distance d'overwatch est beaucoup plus faible que la distance réelle de tir. Donc, je vais quand même tenter le 35%. Malgré la perte de dégâts. Et puis je vais retirer cet Overwatch et... C'est raté. Alors je me demande si c'est déjà indépendant ou si c'est un seul jet de dé. Sur le tir de la petite mitrailleuse. Par contre, on va en profiter pour faire un full mouvement du coup. Avec les autres, pour être un peu moins loin. Voilà, on sera bien pour le prochain tour. Et là, on va se servir de cette caisse, même si on peut être facilement flank. Je pense que pour le moment, ce sera bon. Et on a un 50% sur les gars dans l'open, quand même. Si on peut en sécher un, ça serait cool. Hein. Bim, un de moins. Alors, il peut se faire réveiller, hein, mais... Razor Brace. Alors, c'est bien, ils viennent tous du bon côté. On voit qu'ils ont sorti les armes de corps à corps, déjà. Là, il relève son pote. Ça lui a bouffé de l'action. Ok, là on peut utiliser nos cartes ou pas? Oui, on a accès à nos cartes en haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la Toxic Pool. Alors à deux cases, vous voyez, ça nous force à la mettre par là. Mais on peut condamner par exemple l'accès à ce couvert. En se disant, s'ils veulent s'avancer maintenant, on leur bloque l'accès au couvert. Par contre, ils pourront contourner le pool de poison. Si je le mets par là, voilà, ça servira à rien. Je crois qu'ici c'est pas mal, juste pour condamner l'accès. Je peux lui laisser le couvert là. Voilà. Je la mets super large. Et on va poser des mines pour les endroits qui restent. Alors les mines, on peut les poser un peu où on veut. Une ici, si jamais il tente de faire le tour. Et une là-bas. S'il tente de passer de l'autre côté. Il pourrait rester que là à couvert, mais c'est trop près. Hein. Je suis obligé de la poser là. Voilà, donc il y en a une là. Une là. Alors, il n'est pas censé les voir. Hein. Espérons. Notre chef.
Alors, est-ce qu'on a un tir? Non. Par contre, on peut probablement, hop, se mettre là et tirer. Non, même pas. Là, on aurait un tir, mais on serait complètement à découvert. Ce que je peux faire, c'est lui donner un point d'action supplémentaire. Simplement, on veut m'approcher très près. Eux, ils vont vouloir aller au corps à corps, de toute façon. Mais on pourrait déjà en sécher un. Sachant que lui est fort au corps à corps aussi. Hein. Il a 4 en mouvement, 3 en mêlée, 4 en ranged. Ouais, on va faire ça. On va bouger de 1. On va tirer à 90%. Ce qui ne l'a pas tué. Mais ça l'a pine. Ça l'a mis au sol. Et on va se redonner un point d'action. Pour soit se remettre à couvert, soit retirer. Alors si on retire et qu'on rate, par contre, ça va nous mettre à mal. Hein. Sachant qu'on perd 10% de retir. Mais on peut simplement se déplacer à couvert. Ou juste se remettre là. En fait, je me rends pas compte de ce qu'on vont faire les autres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir là et nous tirer dessus. On a le temps, hein. On n'est pas aux pièces hein, pour les attaquer. Mais j'aime bien l'idée de me mettre derrière ces deux caisses par rapport aux deux autres qui sont au loin. Ici, on est bien. Et il y a les mines et tout ça. Alors, je vais faire un clic sur lui. Parce qu'on voit bien qu'il a un fusil longue distance. Donc, le prochain tir qu'il fera sera un jam. Après qu'il ait tiré, il sera enrayé. Et point de vue de mes autres gars, bah, oui, en fait, on aurait pu aller là. On a combien? On a un 50% et un 70%. Franchement, on va essayer de faire tomber le second. On l'a raté. Je vais pas retenter un deuxième tir. On va juste se rapprocher calmement. Destroy. Voilà. 25%, 45%. On pourrait se mettre de ce côté-là. Ah, c'est dommage. En fait, j'aurais pas dû prendre cette place. On peut aussi se mettre en Overwatch. Ou faire un tir et se mettre en Overwatch. Allez, on va achever le premier. Raté. Et en Overwatch. Ce côté. Ah, c'était gentil. Voilà. Ouais, comme ça. Et. Fin de tour. Il a pris la mine. Ah oui. Tir d'Overwatch qui a raté. Dommage. Lui, il nous rate. Et bim, sur la mine. Donc ça le pine immédiatement. Hein. Lui, il sunpine, donc il lui reste qu'un point d'action. Et ben là, voilà, c'est la fin. Donc lui a pris la mine, lui a pris... Bah lui, je sais pas ce qu'il a pris. Il a pris l'Overwatch. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai vu Miss sur l'Overwatch. Donc là, évidemment, c'est la fin des haricots pour eux, hein, parce qu'on va pouvoir achever lui à 100%. On va se garder le bon tir. Je vais tenter le 45 d'abord. Voilà, il est down. Donc j'ai l'impression qu'on a miss, touché, touché. Donc c'est bien des tirs indépendants. Donc face à des gars qui ont qu'un seul point de vie, c'est fantastique. Hein. Et là, on n'a plus de mun. Donc on va recharger. Alors, les mun sont dépensés. Mais si vous commencez une nouvelle bataille sans avoir rechargé la bataille d'avant, votre arme n'est pas rechargée entre les combats. Il n'y a pas des munitions qui apparaissent gratuitement. Il faut absolument utiliser vos items de munitions. Donc il faut les fabriquer, il faut tout ça. Hein. Donc là on a rechargé, ça nous avait perdu le point. Ok. Donc 60%, on va achever lui quand même avant qu'il se rapproche. Bim, un de moins. Il nous reste une balle. 35%, mais si je tire une deuxième fois, ça va pas le faire. On va faire un Overwatch. L'Overwatch, je crois pas que ça affecte vous savez, vos chances de toucher machin. Ici, on va essayer de hop, changer d'angle. Alors, on n'a pas de tir pour le moment. Et Overwatch. Le moral est très bas. Ils ont pris les deux mines, ils ont pris...
Non, les mines, je suis content qu'elles aient fonctionné, c'est pas évident. Tir d'Overwatch réussi, il est down. Alors là, je sais pas ce que c'est, mais il a l'air de... Non, ça doit être parce que je le contrôle, hein. On peut y aller au corps à corps. En gros, je peux l'attaquer au corps à corps en passant dans la bassine d'acide, si je veux. Ce qui va me mettre un point de dégâts, j'imagine. Ou on peut exécuter cela. Ah, lui, il avait un saignement. Du coup, tout à l'heure, il avait pris deux et il a pris un à cause du saignement. Ou alors, il a pris un deuxième tir d'Overwatch. Je sais vraiment pas comment il est mort, celui-là. J'ai l'impression que je lui ai rien fait au Goon. Alors, vous pouvez voir, hein, Scrapper, Goon... Goon et Goon. Donc on a un perso vétéran et puis trois persos de base. Là on peut l'achever au corps à corps en prenant un dégât. Je vais y aller, comme ça on verra au moins l'acide. Même si c'est sur nous qu'on le verra. Voilà, donc là on a pris deux dégâts d'acide, mais on la donne au corps à corps. Et comme dans les jeux de plateau au Games Workshop, on peut choisir de consolider notre position ou alors de rester sur place. Si on consolide, on reste au contact de l'ennemi. Si on reste sur place, on reste sur place et on n'est plus engagé. Sachant que dans les jeux comme ça, quand vous êtes engagé, bah vous pouvez pas vous faire tirer dessus. Parce que vous êtes engagé. Enfin, si, dans Games Workshop, vous pouvez. Mais ici, si vous êtes engagé, vous pouvez pas tirer sur un ganger qui est engagé. Donc là, on va suivre. Mais vous pouvez vous faire engager par du corps à corps, bien sûr. Bon, là, tout le monde est tombé. C'est tout bénef pour nous. On va ramasser les cadeaux de fin de mission. 6 crédits, on prend. Je crois qu'il n'y aura rien d'autre à ramasser. Hein. Une petite main. Je vais cliquer dessus quand même. Alors là, vous voyez, on est en mode vue libre. Alors, on fait le tour. Des soins. Non, mais je crois qu'il n'y a rien à faire à part aller au campement. Ouais, et puis vous baladez pas là-dedans. Voilà, après avoir capturé le repère, vous sécurisez les alentours et vous envoyez un message au reste de votre gang. Vous avez finalement établi une base d'opération dans les Dreadlands. La célébration continue pendant des jours. Voilà, et donc là, notre gang est en position. Donc il y a Spark Lanegan et Didi Boopster qui sont installés. Donc c'est plus ou moins le barman et le chef du gang, hein. Je suis pas sûr que ce soit le chef en vrai, mais voilà. Il agit comme s'il était le chef, mais je pense plutôt que c'est le barman, et vu qu'on picole chez lui et qu'on dépense notre argent chez lui, il se prend un petit peu pour le chef. Alors, faisons un peu le tour du truc. Alors, fame, c'est notre réputation. On est des nouveaux arrivés. Le glow, c'est la fameuse ressource qui est difficile à trouver dans les Dreadlands, et il y en a qu'ici. Donc les Dreadlands, c'est l'endroit où il y a des pierres radioactives, en gros. Hein. Les medical supplies, c'est ce qui nous permet de soigner nos hommes dans le camp quand on est blessé. On a du scrap metal pour pouvoir fabriquer des objets et réparer des objets. Et on a des crédits pour faire du troc avec les autres camps. Donc on a nos barracks, notre truc de soins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un vendeur. Un workshop pour fabriquer des choses, une stash, donc faut faire des missions pour terminer ça. Voilà, à part ça, on n'a pas grand chose. Alors, on va regarder Tactics. C'est quoi Tactics? Ah oui, on a différentes tactiques, c'est les cartes. Donc là, on a tout ça en cartes, et évidemment, on pourra retirer des cartes, en mettre des nouvelles selon ce qui nous arrive, selon les cartes qu'on peut trouver à l'extérieur, j'imagine. Dans nos barracks, on peut voir nos gangs. Donc on a un Goons, un Scrap Hound, donc un chien de combat, chacun en des capacités, un Scrapper, donc ça c'est un des soldats de l'armée régulière, on va dire, hein, du gang, un Scrapper Tank, qui est un héros, entre guillemets, non c'est plutôt une unité vétéran, on va dire, et avec un rôle spécialiste de tank, et on a le Scrap Mécanique, qui est le héros principal, voilà. Et on peut recruter, alors, Deros Blade, une lame rouillée, une unité de corps à corps, Scrapper Tank, un autre mécanique, mais on pourrait pas l'utiliser. Voilà à droite, en fait, le nombre de persos qu'on peut utiliser de chaque type. C'est comme une équipe de Blood Bowl, vous n'avez pas le droit à deux trolls, par exemple. Voilà, là, vous avez le droit qu'à un Scrap Mécanique, vous avez le droit à deux Rusted Blade,
vous avez le droit à 2 tanks, vous avez le droit à 4 scrappers, vous avez le droit à 2 chiens, vous avez le droit à 6 goons et un chasseur de primes. Mais sachant que les missions, vous ne pourrez pas tout déployer. Selon le type de mission, l'approche que vous décidez d'avoir, vous aurez le droit, par exemple, de prendre 6 goons et 4 scrappers et puis votre mécanique sur certaines, en se disant, bah, j'y vais avec plein de monde, mais nul. Ou alors, je fais une mission où je mets, j'envoie que l'élite, mais j'ai le droit qu'à 4 persos, mais j'ai le droit d'emmener 4 persos vétérans, par exemple. Voilà, et donc ça, ça va jouer dans la balance. Alors là, on a 33 crédits, donc on n'a pas de quoi recruter des hommes. Hein. On a accès aussi aux chasseurs de primes, qui peuvent venir aider durant quelques batailles. Donc là, on a Brack Brick, un chasseur de primes qui a 4 en mouvement, 4 en mêlée, 4 en tir, qui a un Reaper Gun et puis une épée. Donc ça a l'air vraiment balèze. Mais voilà, on le dépense des sous, 50 seulement par mission. Vous voyez, donc c'est vraiment pour donner un coup de main quand vous avez trop de blessés, par exemple. Donc là, pour le moment, on peut rien recruter, on peut pas voir, mais on aura accès à tout ça. Donc techniquement, notre gang va se composer de 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 17, 18 membres. Voilà. Et chacun va pouvoir avoir son nom dans le gang. Donc, comme je vous disais, hein, ça c'est le dernier, c'est la dernière présentation qu'on fait de petits jeux. Ensuite, je vous ferai voter de quel jeu vous voulez continuer. Donc, si ça vous plaît et que vous voulez rejoindre le gang, mettez votre nom. Si ça vous plaît, au moment où j'irai faire un vote, je ferai un straw poll pour tous les petits jeux qu'on a fait pour savoir lesquels deux petits jeux vous voulez qu'on continue. Donc je vous rappelle, hein, y avait Operancia The Stolen Sun, il y avait Space Haven, il y avait Monster Train, il y avait un truc sur un bateau avec des tentacules, je sais plus le nom, il y a ce jeu là, et enfin je ferai la liste, je mettrai un straw poll avec tous les noms des jeux et ça sera à vous de voter pour savoir quel jeu continue. Donc là je vais jouer à ce jeu là un petit moment, faire quelques vidéos, et comme ça vous aurez une meilleure vue de ce qu'on peut en faire. Alors, je vais pas faire trop d'épisodes, parce que si vous voulez rejoindre l'aventure, évidemment, je vais vous laisser le temps de nous rejoindre. Alors, comme ça, je pourrais mettre votre nom. Donc, je vais publier le premier épisode assez rapidement. On va aller parler à Spark Lenegan. Alors, bon, on a assez fait la fête. Il est temps de se bouger. Faites un tour aux alentours. Vous pouvez être un... Vous avez regardé aux alentours. Vous pouvez être impressionné, mais moi, je ne le suis pas. J'en veux plus. Plus grand, mieux, plus brun. Et je sais comment le faire. J'ai un plan. C'est tout dans mon plan. Ah, quelle douceur il va apporter. Oh, quelle belle petite chose et de bonnes boissons on va avoir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Un plan, oui. Eh, mademoiselle, on a un plan, hein. On a le plus grand des plans. Enfin, ok. Il a l'air d'être un peu idiot, quand même. Mais si vous pensez que je vais vous le donner, vous vous trompez. Une étape à la fois, les filles. Est-ce qu'on peut avoir... un doigt d'alcool pour discuter? Alors... tac tac. Alors le glow est pas cher. Est cher comme de la terre comparé au plan de Spark. Ok. Ok. Alors on commence par quoi? On commence par nettoyer autour de... On commence à nettoyer notre nuque aux alentours des bois. Donc en gros on nettoie les environs. C'est dégoûtant. Il y a la Lead Flake Crew qui est sur nos terres. C'est intolérable. Ouais. Allez leur donner une leçon de ne pas traîner dans notre jardin. Alors, Turf Rivaliste. Il n'y a rien de pire que d'avoir des gangs qui paradent autour de nous. Ouais, ok. Alors, donc il nous donne, il faut aller tuer hein, le leader du prochain gang.
Tac, tac, tac. Défaite, voilà. Il faut aller détruire un gang rival de Scrapper. C'est même un gang comme le nôtre. Hein. Donc, 30 crédits et un repair kit. On va accepter hein, toutes les quêtes. Alors, Evan McTavish, Didi Booster. Ok. Julius Barry. Ah, c'est un des nôtres, ça. Quoique... Didi Brewster, c'est pas un de nos gars. Alors, on va regarder la map du monde. Voilà, donc là, on est dans le Ikit Marauder Hideout. Alors, attendez, je veux pas partir, non. Calme-toi. Ce que j'aimerais... Voilà, c'est voir la carte du monde. Donc, la carte du monde, on est ici. Donc, on n'est pas loin de Steel Sphere Farms... Flannery Port, on est dans les collines de Franklin. Et là, vous voyez le point d'interrogation, c'est où on doit aller pour la quête. On voit que ça va nous prendre du temps de parcourir tout ce bordel. Hein. Votre point de départ quand vous jouez est aléatoire. Moi, je crois que j'ai commencé ici, dans la Typhus Grove, et j'étais à côté de Glowblonde. Donc, en fait, ma première ville qui avait à côté de moi, c'était là-bas. Vous voyez, donc ma quête a amené à Glowblonde, on allait discuter avec les gens de Glowblonde, et puis on avait des quêtes aux alentours. Donc, selon l'endroit où vous démarrez, vous aurez plus ou moins une histoire légèrement différente, bien qu'il y ait des trucs identiques. Par exemple, là, se débarrasser des importuns, bon, bah voilà, c'est la même dans les deux cas. Alors, l'inventaire de gang, c'est le matos qu'on a. Donc nos gangers actuellement utilisent des gaz masques pour les protéger des gaz, ça c'est plutôt pas mal, et des vêtements pour se protéger des dégâts. Des munitions en pack, des bandages, une épée, un tir, bon voilà, ça c'est plutôt simple. Mais il y en a qui n'ont pas tout ça, pas de point d'armure là, mais on pourrait lui mettre une armure par exemple. Les munitions en rab, on peut aussi les déplacer, il faut faire attention à qui on les met. Le chien, il a pas de munitions, par contre il a 6 de mouvement. Et il attaque au corps à corps avec ses crocs, bien sûr. Hein. Voilà, il a 35% de chance de faire saigner les gens quand il tape. Enfin voilà. Ian Mackage. Donc, ça, c'est un goon. C'est un sbire. Donc, notre sbire, lui, il a un pistolet et une hache. Voilà, bon. Pas de capacité spéciale, machin. Ah! Oui, on a maintenant, ça c'est le nouveau truc, c'est pour ça que j'avais pas fait la description du jeu, c'est qu'on a un arbre de talent pour chacun chacune des classes. Donc là par exemple, lui devient vite Gunslinger. Dès qu'il a un niveau, il a moins de malus quand il porte deux pistolets dans main droite, main gauche. Et du coup, il peut tirer avec les deux pistolets. Et après, bah, vigoureux, voilà, après il y a plein de talents. Et pour chaque classe, c'est différent les talents, hein. Pour les chiens, vous voyez, c'est autre chose. Ouais, l'essence des bêtes. Ils sont pas facilement touchés quand ils sont exposés ou flanqués. Et puis, évidemment, il y a tout plein de compétences. Encore faut-il les faire passer de level. On peut aussi changer l'apparence. Alors, l'apparence, voilà, c'est les couleurs hein, sur le chien, par exemple. Et point de vue équipement, évidemment, le clébard, il n'en aura pas des masses. C'était quoi le dernier? Gazmax, McTavish. Ok. Donc là, par exemple, on peut prendre l'armure de notre chef, le 1 point de vie qu'il a en plus, et le mettre sur celui qui va prendre le plus cher, le chien. Comme ça, on lui met un point de vie supplémentaire, sachant que lui va aller au corps à corps et tout ça. Vous voyez ? Et on peut changer le nom, bien sûr, du chien. Alors là, pour le moment, j'ai pas fait le tirage au sort, hein, je vais juste changer pour la forme, pour vous montrer. Voilà. Notre clébard, ce sera notre hibou pour le moment. Mais on changera les noms, bien sûr. Voilà. Ok. Donc, on a notre gang. Il est prêt à en découdre. On a la map. Vos fighters, l'inventaire, les contrats. Donc, les contrats, on a ça qui est en cours. On peut le cancel. On a le menu. Et ça, c'est quoi? PVP. Ok, on peut se mettre en queue pour faire du PVP. Pour aller combattre d'autres gangers sur des maps. Donc, évidemment, c'est basé sur le rating de votre team. Hein. Là, faire du PVP alors que votre team débute, c'est pas très excitant parce qu'il y a très peu d'unités, machin. Quand votre team est full, après, c'est plus intéressant. Ok. Donc, hop. On va retourner à l'intérieur parce que je sais même pas si j'ai pas oublié des trucs. Ouais, on n'a pas été voir le vendeur ou tout ça. On va aller voir ce qu'il a à vendre. On n'a pas beaucoup de crédit, hein, mais on peut vendre aussi notre équipement.
Alors là, il nous vend des munitions. Donc important d'en avoir, mais vous voyez, il y a quand même des stocks limités. Hein. Des bandages, ce qui permet de relever les combattants qui ont perdu toute leur vie durant une bataille. On les relève, ils ont un point de vie. Donc c'est pas forcément foufou. Hein. Là, les steam packs qui permettent d'enlever le poison ou la brûlure, selon le type d'arme qu'on a pris. Les repair kits qui permettent de unjam les armes sans avoir à retourner au camp pour les réparer. Un stop gun, ce qui est un pistolet à la con, un shiv, c'est un couteau de base, le speed pistol, hein, quoique le stop gun, non, c'est peut-être pas ça. Ouais, c'est un pistolet de haut calibre, hein, qui fait combien de dégâts? 3 de dégâts, plus 1 en crit, c'est pas le pistolet qu'a l'autre. Hein. Ouais, lui il a... Ah si, il a le stop gun aussi. Et ça c'est quoi? Full auto pistol, cheap, deadly and wild. Donc ça, ça tire 3 coups, 25% de chance de... Hit, Mist, Attack, 1 sur 3, Other Gun Damage. Ok, je ne sais pas ce que ça veut dire. On a un gros flingue, c'est mieux. Et des rags. Alors ça, c'est l'armure. Eh ben, éventuellement, on pourrait en acheter une. Allez, on va s'acheter un point d'armure. On va le remettre sur notre chef, parce que je l'ai enlevé tout à l'heure. S'il y en a un qu'on veut pas qu'il tombe, c'est lui. Hein. Hop, Julius Barry. Le scrap mécanique, c'est le héros. C'est l'ingénieur en chef. On n'a pas de quoi acheter des munitions, bah tant pis, on va se démerder avec ce qu'on a. Par contre, est-ce qu'il nous restait des munitions sur notre scrap mécanique d'ailleurs? Ouais, il nous restait un ammo pack, ok. Donc je pense pas qu'on l'ait gâché en cliquant tout à l'heure. Par contre, on a 5 scrap métal, on va essayer de fabriquer des trucs. Donc on va au scrap workshop. Donc là, on peut réparer les armes qui auraient été endommagées. On n'a pas endommagé, on a fait attention à ne pas faire des millions d'actions chaque tour. Et on n'a pas raté nos tirs, surtout. On peut salvage de l'équipement. Si on salvage de l'équipement, bah, ça nous donne du scrap metal. Hein, ce qui nous permet de créer des trucs. On peut ouvrir des boîtes qu'on trouverait en mission. Donc picklock. On peut upgrade à craft an item at your... Ouais, mais il ne met pas... Comment je craft? Ah, on a peut-être pas de blueprint pour crafter des trucs. Parce que j'aimerais bien crafter des munitions. Salvage. Upgrade. Currently not yet implemented. Ok. Et je fais comment? Je pouvais le faire avant, hein. Ouais, peut-être parce qu'on n'a pas encore fait la première mission. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Voilà, donc, hop, on va partir. Et on va aller faire la première mission. Je crois que je vais stopper là, en fait. Tactics, ouais, on va stopper là. Et je vous laisserai prendre les noms. Et une fois que vous aurez vos noms, on ira combattre le gang qui nous embête. Un peu plus loin. Alors, attendez, je crois qu'on a une carte de trop, là. Auto-repair, click. On your feet. Ouais. Moral boost. Ouais, moral boost, il y est pas. Immédiatement, retire pinhead de tous les alliés. C'est sympa, hein. Pinhead, c'est si on s'est fait tirer dessus. Les rats de bombe, c'est pour poser deux rats qui vont foncer vers l'ennemi. Ils ont de la dynamite attachée dans le dos. On a quoi? Le soin qui fait des dégâts. Hop. On peut tout de suite désenrayer toutes nos armes. Donc évidemment, quand vous mettez auto-réparation en tant que carte, vous n'avez pas envie de dépenser du scrap metal pour désenrayer vos armes. Vous préférez attendre le combat d'après et utiliser l'auto-réparation. Mais si vous piochez pas la carte, bah vous serez dans la merde, vous voyez le truc. Voilà, c'est pour ça qu'il y a les kits aussi de désenrayement. Donc là, vous voyez notre team, elle utilise des mines, elle utilise des rats avec des bombes attachées dans le dos, elle utilise des mares d'acide. C'est vraiment la team toxique. Hein. C'est... je sais plus comment on appelait ça. Les polluards. Je me souviens plus, il y avait un film où il y avait des polluards. Et c'est ça, on est des polluards. Voilà. Merci d'avoir suivi. Et on se voit à notre prochain épisode qui arrivera dès que vous m'aurez mis suffisamment de noms pour que je remplisse un gang. Merci d'avoir suivi et à bientôt.